En 2018, c'est le dernier match à domicile des Brûleurs de Loups. Grenoble accueille les Rapaces de Gap. Les deux équipes ne se sont pas encore affrontées cette saison. Il y a les coachs qui travaillent bien sur la vidéo, donc on arrive à voir un peu leur style, leur façon de jouer. Après, à nous, nous adapter et de jouer notre jeu demain et faire un gros match. Objectif de Grenoble dans ce derby des Alpes, obtenir une quatrième victoire consécutive. Un match qui va se jouer à guichet fermé. Jouer à Pôle Sud, c'est spécial pour nous. On a beaucoup de succès cette saison. Les équipes se comportent très bien. Puis quand tu as une foule derrière toi, c'est encore plus facile. Puis oui, demain, Gap, c'est la première fois qu'on va jouer cette année avec eux. C'est spécial. Les matchs contre Gap, c'est un peu les matchs des playoffs. Go ! Les Brûleurs de Loups pourront aussi compter sur le défenseur Antonin Manavian. Après 8 années, il revient à Grenoble, le club de ses débuts professionnels. Moi, ça fait que 2 matchs que je suis là, donc pour l'instant, moi, j'ai gagné que 2 matchs, mais c'est vrai que pour l'instant, au classement, c'est plutôt pas mal, on est deuxième, donc il faut continuer sur cette lancée. Mais la confrontation avec Gap, actuellement 5e du classement, ne fait pas oublier aux Grenoblois l'objectif final. La saison régulière, c'est une chose, mais le but, c'est un processus pour arriver le mieux préparé, le mieux armé possible en play-off. Donc voilà, chaque match est important. À 2 mois des play-offs, Grenoble compte aujourd'hui 11 points de retard sur Rouen, le leader du championnat.